Hammer. Greg qui? Greg! Alors, vieille saloperie, qu'est-ce que tu fais à Miami? Tu te fous de moi? Non, je te jure, Hammer, j'ai de vraies emmerdes. Ils sont derrière mon cul. Il faut que je te voie, mec. C'est urgent de moi. Pour botter un cul, ça va être plaisir, viens. Oh, si tu m'expliquais. Je t'expliquerai tout sur place. Bon, on se donne rendez-vous. Dans les sous-sols du parking Dinner Quay, ça te va? Non, je préfère le port. Côté conteneur. D'accord. Disons une demi-heure. Fais bien gaffe. Hein. Ça fait un sacré bail. Je suis content de te voir, mon pote. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? Des emmerdes et des sérieux. Monte, je préfère. J'ai de vrais tueurs aux fesses. Ah ouais, à part ça? Non, c'est sérieux. S'ils m'épinglent, je suis bon pour le voyage. Qui est-ce? Tu connais pas, des nouveaux. Tout a basculé après ton départ. Ce ne sont plus les mêmes qui dirigent. Ils sont du coin. Je te jure que ce ne sont pas des tendres. Et pourquoi ils sont après toi? Un coup bien monté. J'ai dû renvoyer l'ascenseur. Et puis je suis devenu trop gênant, j'en sais trop. Tu peux me rendre un service? Mets cette clé à l'abri. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? T'as rien entendu? Non, quoi? Putain, ce mec, tire-moi de là, Hammer. Du calme, Greg, relax. C'est rien. Rendez-vous chez moi, on sera plus tranquille. D'accord? Pas question. Va voir ce qui se passe. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Alors, détends-toi. Fils de pute! Thank you.
maison. Arrêtez ce type. Je suis flic vérifié, voilà ma plaque. Ne le laissez pas s'échapper. Merde. Faites attention, c'est fragile. Faites attention, c'est fragile. Ça arrive droit à l'Italie, ça coûte un prix fou. Non, non, je le garde. Ce cristal de Venise est horriblement, horriblement cher. Et très, très fragile. Ah. Ce sont des pièces uniques. Je dois être l'une des rares personnes sur cette île à en collectionner. J'adore. Désolé, vieux, prends un autre taxi. Comment ça, un autre taxi? J'ai juste fini d'installer les paquets. L'assurance couvre pas les objets de valeur. Mais comment ça, quelle assurance? Je ne vais tout de même pas... C'est insensé, à chaque fois que je reviens, il m'arrive une tuile. Yeah! Ah mais arrête, c'est moi, José! José! Mais d'où tu sors? Salut, vieille saloperie! Et pourquoi t'as pas dit que tu venais? Touche! Touche! Et qui c'est, la nana, mec? Je sais pas, je viens juste de lui parler. José. Hello, José, mon nom est Julia. Ah ouais? J'embarque vos valises? Oui. Amène-toi, mon pote, on se tire. Comme tu veux. Est-ce que vous savez depuis combien de temps je l'ai pas vu? Non, combien? Depuis des siècles. Oh. Vous êtes ici en vacances? Oui, je viens voir des amis. Des filles? Oui. Ouais? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis écrivain. C'est votre genre de chance. Pourquoi? Moi, je suis lecteur, pas vrai, Hammer? Décidément, quelle heureuse coïncidence. Hé, hey, José. Hein? Belle caisse. Ouais, elle est chouette, Hammer. Fais gaffe, Thompson. C'est du cristal de Venise. C'est très, très cher, très fragile et c'est unique. Stronzo. Stronzo toi-même, mec, connard. Oh, bordel, je suis content. C'est une jungle, cette ville. C'était très aimable à vous de me déposer ici. Merci beaucoup. Cette adorable tête ne cacherait-elle pas l'endroit où elle habite? Peut-être. D'accord. Pendant votre séjour, s'il vous faut quelque chose, appelez-moi. Hein. Je suis un homme multiple. Non, mais jurez, c'est vrai. D'accord, merci. Bye, Julia. José, mes valises. Où ai-je la tête? Venez, allons-y. Attention! Poussez-vous! Je te le jure, José, il était comme tétanisé. Il s'est fait écrabouiller sans bouger. Tu sais, la trouille, on l'a connue pendant des années. Il était peut-être à bout. Impossible. Greg était un guerrier. Le meilleur. Tu te souviens, il disait toujours, ton section d'assaut, c'est l'enfer chaque jour, la vie toujours. Tu l'as vu dernièrement? Ah non, pas depuis longtemps. Où est Carlos? On va avoir besoin de lui. Aucune idée. J'ai coupé les ponts, j'ai changé de vie. Et Hammer, Didier et Greg étaient très proches. Très très proches. Dis-lui si tu veux. Ha ha ha!
Salut, Judy. Oh, je suis heureuse. Où t'étais passée, la chère? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus? Si, j'étais très occupée. Regarde qui est là. Oh, Hammer. Didi. Oh, Hammer. Tu m'as manqué. Où est Greg? Où est Greg? Il n'est pas avec toi? Didi, Greg ne reviendra plus. Il est mort. Non! Je suis désolé. Il avait besoin de toi et tu ne l'as pas aidé! J'ai essayé, je te jure. Il disait qu'il n'avait confiance qu'en toi. Je le sentais à bout. Il était devenu comme une bête aux abois. Mais il comptait sur toi, Ma. Je l'ai pas lâché, Didi. T'entends, j'étais là. C'était là, alors pourquoi il est mort? Ils m'ont pris de vitesse. C'était une exécution, Didi. Il a rien pu faire. Il n'était pas la seule à avoir de la peine. Didi, il faut que tu nous aides. Avec qui est-ce qu'il était en cheville? Et qui voulait le tuer? Je sais pas. Il ne parlait jamais business avec moi. Où est Carlos? Oh, lui, je sais pas. On dirait qu'il a disparu. On dirait... Mais explique-toi! Greg, Carlos... Enfin quoi, bordel? Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Depuis ton départ, Hammer, tout a changé. Il est dirigé par un nouveau... Il élimine tous les gêneurs. Personne ne sait qui il est. Et personne n'a les couilles de le contrecarrer. Dis pas de conneries. On va se mettre en chasse tout de suite. Pas vrai, Hammer? Ouais, comment? Non. Vous étiez quatre copains. Vous êtes plus que deux. Laissez tomber tout ça. J'ai pas envie de vous faire tous les deux. T'as raison, Didi. On est plus que deux. Et ça me fait bien chier. José, t'as pas l'impression qu'on veut supprimer les anciens de la section de la mort? Ouais. Et qu'est-ce que t'en dis? Qu'on va leur mener la vie dure à tout ce tas d'enfoirés. Bon, Mathieu, mais garde-la nickel. C'est pas comme mon taxi. Je la prends le dimanche pour aller à l'église. Promis. Moi, je file chez Greg, je vais fouiller son appartement. Toi, de ton côté, t'essayes de dégoter Carlos. Bonne idée. Et à plus tard. En douceur, mec. En douceur. Bordel, je me tue à te dire que c'est pas mon taxi. Et 5 sur 5. Amène-toi. On veut vérifier quelque chose. J'arrive, terminé. Thank you.
Surprise, surprise. Voilà le gros dur. Un petit conseil bien amical. Si tu tiens ta peau, fous le camp. Tu déranges, tu comprends? T'as rien à faire dans le coin. Et si t'es bien sage, tu resteras en un seul morceau. Compris? Yankee et collègue, quel honneur. Merci. Ce qui ne vous donne aucun droit à des folies du genre conduite Fangio ou destruction de propriété privée. On m'a heurté par derrière. Vous avez bien dû lire mon rapport. Ah oui, j'avais oublié qu'une autre voiture vous avait propulsé dans les arbres. C'est exact? Oui, c'est exact. Entre nous, ce n'est pas très joli de mentir, monsieur Hammer. Et si nous abordions une théorie moins poétique, disons un peu plus trouble? Donc je mens. Alors allons-y, j'ai une passion pour les courses automobiles en ville. Et dévaster un étalage de fruits avec ma voiture me donne des sensations. Est-ce que cette théorie vous plaît, collègue? Donnez-moi le procès-verbal du plaignant. Quoi? Quoi? Oui, oui, j'ai compris, oui, oui. Qui? Oui. Oui. Le plaignant marchand de 4 saisons vient de retirer sa plainte. Alors je vous conseille vivement, monsieur Hammer, de vous calmer, d'arrêter le stock-car et de rentrer chez vous. Me suis-je bien fait comprendre? C'est d'une clarté. Bonne journée, commissaire. Hendrix. Hollandais, ça? Hollandais, et alors? Les types qui ont joué l'intimidation. Tu peux être sûr que ce sont les mêmes qui ont kidnappé Carlos. Ouais, t'as raison. Et notre pote Greg a dû essayer de contacter Carlos avant de quitter l'île, c'est ça? Et Carlos, avec qui il travaille? Une seule personne peut répondre. Qui? Kurt. Bingo! Charlie Foxtrot à Falcon. Charlie Foxtrot à Falcon. Les invités arrivent. Terminé. Bien reçu. Salut Hammer. Salut Hammer. Salut les mecs. Comme d'habitude. Pourquoi pas? Ah, qu'est-ce qu'un flic comme toi fait si loin de chez lui? Oh, bon, j'avais envie de m'offrir des petites vacances. Un retour aux sources, ça régénère. Hé, hey, cœur. T'as planqué nos photos? On fait plus partie de la famille? Penses-tu? Je les ai mises dans la salle de jeu. On nous surnommait les trompe-la-mort. Faut dire qu'on a eu du pot. Tu te souviens quand... Bon, si on en venait à ce qui nous amène. Hé, hey, cœur. Carlos, son dernier job, c'est toi. Ouais, je donne du boulot à pas mal de mecs. Un type barbu. Il a tourné ici quelques mois. Il est très dangereux. Paraît que c'est le bras droit d'un gros bonnet. Vary. Giuseppe Vary. J'ai un grand blond dans le collimateur. Le salaud qui a tué Greg. Ben, j'ai peu d'informations sur lui. C'est un outsider. Il l'emploie pour les solutions finales. Mais j'ignore qu'il paye. C'est peut-être le gros bonnet, Kurt. Ce pourri de Vary. J'en sais rien.
Peut-être bien. C'est des conneries. Arrête tes salades. Laissez courir les mecs. C'est mon territoire. Alors foutez-moi la paix, d'accord? Je tiens à ma peau, alors faites comme moi. Moins on en sait et mieux ça vaut. Bravo Delta Falcon. Bravo Delta Falcon. L'affaire est terminée. Vous me recevez? Terminé. Didi? J'ai appris pour Greg. Désolé pour toi, Didi. Mais tu sais, il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Salopard! Où elle est, cette planque? Espèce de salope! Ce bateau, c'est celui de madame. Oh, pas mal. T'es sûr? Ah ouais, sûr et certain, c'est le sien. Salope! Tu vas parler! Parle! Madame! Comment tu te sens? Violette de la tête aux pieds. T'es belle comme un cœur, Lydie. Ouais, la plus belle femme de la Terre. Ah, je vous adore. Didi, combien est-ce qu'ils étaient? Didi, il faut que tu nous aides. Est-ce que c'était quelqu'un qui bosse pour Giuseppe Vari? Le fumier. Je sais où il crèche. Non! Monsieur Vari, ces messieurs ont insisté pour vous voir. Monsieur Hammer, je présume. Pourquoi vous avez fait tuer Greg? Vous êtes une tête de mule, Hammer. Ce pays est malsain et je m'étonne que malgré les conseils, vous soyez toujours là. Je veux savoir pourquoi Greg a été tué. Et pourquoi Didi a été battu. Et ce que vous avez fait de Carlos. Simple renseignement. Ben, je vous écoute. Vous faites partie des têtes brûlées. Très pressé de mourir. Je préfère vivre intensément. Ça, c'est pas votre cas. Abattez-le! Non! Restez pas là! Je le veux! Bougez-vous, mais attrapez-moi ces salopards! Non, mon pote! Bouge pas, Popeye! Un pas de plus et je te fais sauter les biceps! Reculez-vous! Fils de pute! Même le Minus a pu s'échapper! Faut revoir les données. Hammer va nous donner du fil à retordre.
espèce de fils de pute. Qu'il a dit. Vas-y, raconte. C'était pas moi. Boucle-la, toi, un peu, tu veux? Mais c'est un menteur. Elle avait une arme, oui ou non? Alors, tu la reconnais? Alors là, vous exagérez, monsieur Hammer. Vous serait-il possible de m'expliquer les raisons profondes qui vous ont poussé à menacer un respectable homme d'affaires? Respectable? Vous a-t-il dit la raison de ma visite? Monsieur Vary pense que vous êtes fou allié. Et il suggère que je vous mette dans le prochain avion, menotte au point, sans retour possible. Ah bon, parce qu'il porte pas plainte? Nous entretenons de bonnes relations avec votre pays. Et je ne vais pas risquer de ruiner cette entente pour un être tel que vous. M'expulsez-vous? Mais vous vous prenez pour qui? Faites-le, vous verrez bien. Je pourrais toujours alerter, qui sait, la presse, les médias, les télévisions étrangères... Espèce! Ne jouez pas trop petit malin avec moi. Qu'est-ce qui se passe, le Hollandais? On dirait que t'es pas trop pressé de découvrir qui sont les bons et qui sont les méchants dans cette histoire. Jamais j'avais encore vu un tel spectacle. Allez-y vite. Oh, c'est incroyable. Non, mais non, ça pas. Oui. Oui. Patron. Tom McDougally de l'ambassade américaine cherche à vous joindre. Passez-le-moi. Notre ambassade nous signale que vous détenez dans vos services Monsieur Hammer, un de nos agents. Or, il nous le faut immédiatement. Je vais voir ce que je peux faire. Il a de gros ennuis. Laissez tomber ces peccadilles. Les États-Unis le réclament de toute urgence. Je vous enverrai les documents dès demain matin. Bien. Très bien, dans ce cas, je m'incline. Commissaire, j'y joindrai aussi une invitation pour vous et votre charmante femme pour les festivités de fin d'année. Je suis très touché. Vous pouvez remercier votre bonne étoile, Monsieur Hammer. Vous êtes libre, sortez! Et surtout, ne me sous-estimez pas. Si je remets la main sur vous, personne ne le saura. Mais ce jour-là, vous n'aurez plus aucun échappatoire. Et j'étais assez clair. Vous et moi, hein? Ici Tom McDougally de l'ambassade américaine. Si t'avais vu sa tête. Quel connard, ce mec. Hé, José. À mon avis, ce truc sent la magouille à plein nez. Et explique. Par exemple, Vary, pourquoi est-ce qu'il porte pas plainte? Sûrement pas par noblesse d'âme, mon pote. Je serais pas surpris qu'Hendrix soit à sa botte. Ouais. Ouais, allez, faut se bouger. T'as raison, ils vont tous être derrière ton cul maintenant. Oh! À propos de cul, il est fascinant celui-là. Julia! José! Julia, ma Julia, toi qui hantes mes jours et mes nuits. Oh, merci, chef. Merci infiniment. Vous m'avez redonné la joie de vivre. Merci. On décolle. Vous êtes fou. Oui, il faut de vous, Julia. Amène-toi à mort. Content de vous avoir revu. Et moi également, Hammer. Tu veux pas venir avec nous, non? Oh, quel dommage! Monsieur Hammer, Dieu du ciel, que vous est-il arrivé? C'est rien, une rude journée au bureau. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Oui, la clé, Oliver. Mon humble royaume, est-ce qu'il vous convient? Il fait partie des attractions touristiques? C'est un monument national. À ce point? Ouais, c'est inscrit la maison de José. Paradis sur terre des jolies femmes qui tombent amoureuses. Je ne sais pas si je suis à la hauteur. Suis-je assez belle, d'après vous? J'essaierai de fermer les yeux. Mais je vous promets rien. Coucou, Didi. Ah, c'est toi, ma chérie. Comme je suis contente. Mais c'est pas vrai, Didi, c'est ça, ta surprise. Non, juste un petit accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien. Je t'ai réservé une adorable surprise, chérie.
Bien meilleur que le chocolat. Ah oui, oui. Tiens, regarde. Pas mal, non? Je te croyais, mon ami. Comment est-ce que tu as pu... Martha, oh. Martha. Reviens. Calme-toi. Va, il t'attend. C'est toi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux m'asseoir? Je t'en prie. C'est bon de te revoir. En fait, rien n'a changé depuis mon départ. Profondément, rien ne change. Pourquoi es-tu revenu parmi nous, Hammer ? José et moi, on a décidé de passer à l'attaque. C'est pour ça que je suis là. Pour le venger. Martha. Martha, tout ça est un beau gâchis, je suis désolé. Désolé? Désolé de quoi? De m'avoir laissé sans me dire au revoir? 6 ans. Sans une lettre. Sans un coup de fil. Ni même une carte postale en couleur. Pour quelle raison es-tu subitement désolée? Espèce de salaud! Pouf. Ouais, t'as raison. Ah. I'm like the sea, it's part of me. Toujours? Toujours, mon amour. Tu sais, Greg a toujours excusé tes silences. Il t'a toujours défendu. Mais j'y pense. Quoi? Il a laissé un carnet d'adresses. Où ça? Chez moi, à la maison. Tu sais quoi? José était vraiment un monument. Ah, ça, c'est vrai, ça. Ouais. Tiens, le voilà. Sans Greg, je ne m'en serais jamais sortie. Il m'a passé de l'argent. Trouvé mes premiers acheteurs, à Panama, à San Francisco. D'ailleurs, j'ai encore 3 peintures à envoyer. J'attends leur coup de fil. Père du chiot d'Obermann, 667-8119. Père du chiot berger allemand, 683-1798. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est ses contacts personnels. Il utilisait notre bon vieux système de code. Voilà, nous y sommes. Entre. Tu veux boire quelque chose? Oui, la même chose que d'habitude. Tu as toujours autant de goût. Merci. Martha, c'est Edith. Je te déposerai demain les peintures de Carter. J'ai fini les photos. Tu ne réponds pas? Je filtre toujours les appels. J'oublie que je suis une femme d'affaires. Oh, excuse-moi. Chut.
Il y a quelqu'un? Oui. Ah! Maman! Là, là, tu as eu peur. Calme-toi, Valentina, maman est là. Maman? Tu vois ce monsieur? Il s'appelle Hammer. C'est un grand ami d'oncle Greg. Oncle Greg a toujours pas téléphoné, tu sais. J'ai écouté toutes les voix dans le téléphone, mais il n'y avait pas la sienne. Est-ce qu'il sait où il est? Est-ce qu'il va aller le chercher? Mais oui, il va essayer, Valentina. Tu sais, oncle Greg est parti très très loin. Il est dans un coin où il n'y a pas le téléphone? Mmh. Tu as raison, là où il est, il n'y a pas de téléphone. Va vite jouer dans ta chambre et dis au revoir à Monsieur Hammer. Au revoir. Et il sert des petits cocktails maison face à l'océan, je te dis que ça a une splendeur. Allez, en route. Non, non, merci, je suis une touriste, moi, monsieur, j'adore marcher. Non, mais attends, tu vas... Ah, qu'est-ce que c'est? José, pourquoi ils ont marqué ça? Une plaisanterie de gosse. Bah, bonne promenade, on se retrouve plus tard. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Carlos essaie de nous contacter. Mais bon Dieu. Pourquoi il pouvait pas juste frapper à ta porte et venir te parler? J'étais pas seul, mon pote. Hein? Il y a des emmerdes. Et toi, t'as trouvé quelque chose? Le carnet de Greg, avec tous ses contacts, dans notre vieux code. Ah non, c'est objet perdu? Exact. Lançons l'hameçon et voyons qui mord. Ouais. José, je te laisse faire. J'y fonce. Forte récompense, perdu ce jour chez auberger allemand. Pour toute information, me contacter entre 9 et 10 au 273331. Ouais, ça. Super. Allez la donner au caissier dans le hall. Ok, ça baigne. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Les forcer à se découvrir. Et tu crois qu'une vague annonce va les convaincre? On verra bien. Et s'ils ne tombent pas dans le panneau? C'est vous deux qui plongez. Dangereux, votre jeu. Et il faut faire bouger la partie. Et après, on avisera. Ah oui, j'oubliais. Tu as reçu un appel de Miami. Je crois que c'était ton chef. C'est lui qui m'a envoyé en vacances. Maintenant, je suppose qu'il a besoin de moi. Seul geste et je te casse le bras. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je suis aveugle. Aveugle. Je dois remettre une lettre à Monsieur Hammer. C'est moi, Hammer. Qui te l'a donné? Un homme m'a filé $100, payer un taxi pour la remettre. C'est tout ce que je sais. Bonne nouvelle, j'espère. Urgent, je dois te voir. Rendez-vous au supermarché abandonné à 5h, Carlos. C'est quoi ce bordel, Carlos? C'est quoi ton camp? Les bons, les méchants? T'as les jetons? C'est beaucoup plus sérieux que tu le penses, mon pote. Que cherches-tu, Hammer? Pourquoi es-tu revenu dans l'île? C'est génial! Juste devant moi, Greg se fait écrabouiller la gueule et tu veux savoir pourquoi je suis là? Greg a foutu la merde. Il était en affaire avec de gros bonnets pour un paquet de fric. Non seulement il n'a pas été réglo, mais il a préféré voir ceux qu'il ne fallait pas. Qui est-ce, Carlos? Quelle bande? Varie! Laisse tomber, Hammer. Cette histoire ne te concerne pas. Carlos, réponds-moi, merde! Est-ce Giuseppe Varie? Je te dis de laisser tomber. S'il te plaît. Fous le camp d'ici, après ce sera trop tard. C'est un conseil d'ami. Je t'en prie, Hammer. Écoute-moi.
Sinon, tu vas droit à la mort. Carlos ! On nous appelait les trompes, la mort, non ? Quelqu'un, c'était vraiment pas dans ses habitudes. De quel fric s'agit-il? Pourquoi l'aurait-il planqué? Greg n'aurait jamais trahi, il était loyal, tu le sais ça? Oui, je le sais bien. À présent, tu comprends pourquoi ils sont venus te voir? Ils voulaient te faire avouer où il avait planqué le fric. Au fait, tu as eu un autre appel de ton copain flic? Il s'énerve, on verra plus tard. Et l'annonce? C'est fait. Où est le rendez-vous? À l'hôtel Croix du Sud. C'est pas là où on avait eu une embrouille d'achat d'armes? Quelle mémoire! Quant au réceptionniste, il a l'air amnésique à force de débilité. C'est quoi son nom? Hey, Hammer, tu sais comment on procède? Je sais. Même tactique? Même tactique. Non, aucune chambre côté rue. Celles-là, elles sont toujours retenues par nos clients. Arrête tes conneries, tu veux? Dans ton cloaque, t'as bien une petite piole. Me dis pas qu'elles ont toutes été retenues. Cash ou carte de crédit, monsieur Jones? Jones? Indiana. Une nuit. Gardez la monnaie. Le compte est bon. C'est la vie, papy. Hé, hey. La clé. Oui. Hé, hey, Hammer, numéro 6. Quand tu les verras monter, tu sonnes trois fois. Synchronisons nos montres. Colonel Morton. Qui c'était ça, Bill Cosby? Eh non, mec, c'est John Wayne. Hé, hey, t'oublies pas quelque chose? Ah si. Comme mon beau vieux temps, chef. Exact. Bonjour, ici Martha. Je suis absente pour le moment. Aussi, laissez-moi votre nom et votre téléphone, et je vous rappellerai dès mon retour. Salut, Martha. C'est la première fois que je suis heureux de parler avec un répondeur. Ça me donne plus de courage pour te parler à cœur ouvert. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de te voir. Oh, merde. Je m'y prends comme un pied. Alors, ce que j'essaye de te dire, c'est... Tu sais, c'était fantastique de te revoir. Et... Mes sentiments n'ont pas changé, Martha. Après toutes ces années. Je t'aime. Oh, espèce de sale brute. Julia, mais qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question. C'est mon quartier, José. Mon ami habite juste au coin. Tu sais que tu m'as vraiment fait mal. Oh, je suis une brute. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. J'ai des petits problèmes. Des problèmes? Tu sais quel est ton problème, je sais. Hein? Tu veux savoir quel est ton problème? Ouais. Elle a besoin de se défouler. Tu as la douceur du sucre de canne et moi j'ai besoin de sucre.
collège. Reste où tu es, connard. Un seul geste et je te jure que je te vide les couilles. Qu'est-ce qui se passe? Je te sens un peu refroidi. Reste où tu es. Vas-y, tu veux me frapper? Alors frappe. Qui est-ce? Service des chambres, monsieur. Arrive. Pizza Domino. Oh, mais c'est pas possible. Qui est-ce qui t'a mis dans cet état? J'arrive droit de l'enfer. Écoute, je resterai pas longtemps, mais il faudrait que je okay, me lave. Viens, 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 viens avec moi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Oh. Allez, entre. Tout se déroule exactement comme prévu. Et ça veut dire quoi?
Tiens, c'est plus tout à fait à la mode, mais... Tu l'as gardé? Eh oui, je l'ai gardé. Pendant 6 ans. Déshabille-toi. Je te fais couler un bain. Bouge pas! Tu sais, j'ai écouté ton message. Que je te massacre, c'était funérailles. Mike, ça suffit. Je le veux vivant. Avant de crever, cet enfoiré va nous dire tout ce qu'il sait. Salope! Et le père de Valentina? La même bouche? Même nez. Mêmes yeux. Même tête de mule que son père. Martha, il faut que je joigne Hammer. Très vite. Didi, c'est moi. Didi! Merde. Il s'est passé quelque chose. Il faut que j'y aille. Ton petit copain Greg, il nous a joué un tour de cochon. Tête de nœud, tu dois savoir toi où il cache le fric. C'est bien ce que tu cherchais, non? Tu te gourres, mon pote, on n'a qu'une idée. Vous éclatez la gueule, espèce de fils de pute. Didi! Didi, tu m'entends? Didi. C'est pas vrai. Didi. Ils ont tué Didi. Alors à présent, écoute-moi. Cours dans ta chambre, tourne notre photo, tu y trouveras une petite clé. C'est une clé de consigne de l'aéroport, numéro 32. Vas-y tout de suite, ouvre et regarde ce qu'il y a dedans. Comme ça, ça nous donnera peut-être enfin une idée de ce qui se trame. Ok, allons-y. Sois très prudente, Martha. Désormais, ceux qui m'approchent courent un danger. Allez, viens, on se tire. Doucement, il y a de la place pour tout le monde. Excusez-moi, juste une question. Mais, ouais, je vous écoute, ma jolie. Figurez-vous que je cherche Valentina Osnes.
Je suis la nouvelle babysitter. La jolie petite là-bas, avec de longs cheveux tressés. Merci. Waouh! J'ai besoin aussi d'une babysitter. Et en voiture, les enfants, en voiture. Valentina! Coucou, oui. Chérie, mon nom est Julia. Bonjour, qui t'es-toi? Ta nouvelle babysitter. Où elle est, Altagracia? À la maison, je suis sa cousine. Elle est un peu souffrante, alors elle m'a demandé de passer te prendre à l'école. Tu sais, j'ai vu ta maman. Ah oui, maman a dit quoi? Elle m'a dit merci. Devine quoi? Quoi? J'ai une voiture. Ouais, ça c'est chouette. Altagracia, elle en a pas, elle. Super, les mecs. Les deux nanas, je les veux ici. Filez vite à la consigne. Je vous envoie Linval et le merdeux. Ouais, et dès que c'est fini, je vais vous en débarrasser. C'est le big tam-tam ce soir, ouais. Réunion générale des grands chefs. Tout le monde est là, sauf l'autre enfoiré. C'est pas grave, il s'est fait piéger. À plus, salut. Madame, papa, j'ai plus personne dans ce monde. T'inquiète pas, je te jure qu'ils vont le payer. Hammer va te venger. Où est Hammer? À la raffinerie de Bay. Je suis déçu. Hein, vous êtes des chiffres molles.
Deux, par rapport au risque, votre pourcentage est très exagéré. J'ai donc décidé de dissoudre notre association et de continuer seul. Décidé ? Mais vous ne pouvez rien décider sans nous. Notre façade vous a apporté tous les crédits. Vous chargiez du nettoyage et nous de la façade. Qui a avancé les fonds? Qui a pris les risques? Moi. Et ma société d'import-export qui a assuré votre couverture dans cette affaire. Nous avoir au top des affaires nous satisfait et jusqu'à présent, aucun de nous n'a été inquiété. Mais... Non, mais vous vous foutez de moi. J'ai un trou d'1 million. Hammer a débarqué chez moi pour me tuer. Et vous, le soi-disant grand Manitou, vous êtes incapable de liquider vos petits clowns. Et vous, vous croyez au top. Vous travaillez pour nous. Mes supérieurs s'interrogent sur une foule de questions très embarrassantes. Je risque ma peau et mon poste en essayant de vous couvrir. Je ne peux pas aller plus loin. Vous, avec moi. Fouillez partout. Coincé en toi! Ben voyons! Viens me chercher, pourri! Oui, la presse demain matin annoncera l'héroïque commissaire Hendrix a démantelé un gang de dealers et de kidnappeurs! T'inquiète pas, mon gros lard!
Il y aura bien un article, mais dans un genre différent, connard. Ah oui? Ouais. Ils verront tes exploits dans la rubrique nécrologique. Ta gueule! Ferme-la! Je suis commissaire de police! On ne me tue pas! Ah ouais, tu crois ça? Espèce de sac à merde! Crève, pauvre con! Toi qu'on veut. Alors arrive vite. Et laisse tomber ton putain de flingue, sinon je fais un carton sur ta poufiasse. À moins que je me défoule sur sa petite conne. Hammer, sauve-la. Mais laissez-moi. Sauve-la. N'y touchez pas. Approche, mon gros. Qu'est-ce que tu veux? Hammer! Je t'en prie, fais quelque chose! Ta gueule! Je veux mon bébé! Ça suffit, lâchez-les, elles y sont pour rien! Toi, essaie pas de me faire un plan! Je fais pas de plan, Julia, laisse-les partir! Avance ici avec elles! Bouge! T'as compris? Une égratignure, c'est rien. Valentina, qu'est-ce qu'ils ont fait de ton bébé? Je te la ramènerai en vie, Martha. Je te le promets. Écoute-moi, aie confiance, je vais la trouver. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Hammer, trouve-la. Ne bouge pas, Martha. Ils vont la tuer. Nos oignons. Ouais, t'as raison. Dans la vie, faut pas en faire de sentiments. Alors arrête de gamberger. Et pense au fric. T'en feras quoi de ton fric? Je vais me défouler, mon pote. Ouais. Et toi, t'en feras quoi? Bah, j'ai une famille. Alors, ça change quoi? Fais-toi plaisir. Ouais, je vais acheter une maison. Ah, ce que t'étais à terre. Acheter, c'est mourir. Valentina, est-ce que ça va? Oui. Où est ta maman? J'en sais rien. Je veux la voir, s'il te plaît. On va la trouver. T'as plus rien à craindre, Carlos. C'est fini, tu peux sortir. Ça va? J'ai flanqué le bordel. Comme mon bon vieux temps, hein. Attends que Hammer te voit. Tu sais qu'on t'a cherché partout. Merde. Où est Hammer?
Stop, monsieur Hammer. Comment on se retrouve? Seulement cette fois-ci, j'ai moi aussi un revolver. Vous êtes trop fouineur, monsieur Hammer. Je déteste les curieux et les gêneurs. Et pourquoi, monsieur Vary? Valentina! Maman! 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 Valentina! Maman! Mon bébé! Valentina! Arrête, t'es dingue! C'est moi! J'ai une surprise pour toi! Ça vaut le coup d'œil! Grouille-toi, monte! Tu vas tomber raide! Carlos, tu viens? On se tire d'ici. Hammer nous attend, mec. Pourquoi tu me regardes comme ça? Carlos, t'arrêtes tes conneries? Je viens de te sauver, t'es libre! T'étais avec eux? Hammer! Oui, José. Notre ancien pote Carlos Montero est le boss de cette organisation. C'est lui qui a fait descendre Greg. Alors, mon pote, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tous réunis, Hammer. J'espérais bien ne pas en arriver là. Mais je te connais, t'es têtu comme une mule et t'abandonnes jamais. Tu veux savoir qui a tué Greg? Là, je vais créer la surprise. Greg a travaillé pour moi. Mais il a essayé de me doubler, et il a payé. Je hais les traîtres. Il y a quelques années, on était quatre copains. Greg t'aimait comme un frère. Mais t'as préféré le faire descendre parce que t'aurais jamais eu les couilles de le faire toi-même! T'es un lâche, Carlos. Mais tu vois, là, on est deux contre toi. T'es mal barré. Tu m'as toujours fait hurler de rire, Hammer. T'as entendu, José? Il te compte avec lui. Pourri qui t'abandonne jamais, hein? Je suis désolé. Bye bye, mes amis. Non, c'est pas vrai! Hein? Mais t'as failli me tuer! Connard! Un peu plus et c'était moi, t'entends? Hein, connard! La balle est passée à 10 mm de ma tête! J'ai failli y rester pour ça! Pauvre con! J'ai les pieds froids, j'ai les mains froides! Et quand ton cœur, je sais même plus s'il va à mon cœur! Dire que c'était à ça! C'est fini, essaye de dormir un peu. D'accord. Au dodo, Valentina. Valentina, tu vas bien? Oh, j'en peux plus. Quelle merde! J'ai un sacré problème sur les bras. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À mon constat d'assurance, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Que t'étais à une intersection et que... un bouc énorme t'est rentré en plein dedans. Oh, oh putain! Ah ouais, j'oubliais. Il y avait du fric. Tout un paquet. Je l'ai ramassé à l'aéroport. Sont faux. Oh merde! C'est d'un foireux depuis le début. Et Greg est mort pour ce fric à la manque? Dépose-moi une cabine. Tu connais toute l'histoire. C'est ton papa. Chouette! Tu sais, c'est super. Alors j'ai un vrai papa qui m'emmènera avec lui écouter des concerts. Et on ira au match de cricket tous les deux. Waouh, Emily, j'ai un vrai papa, tu te rends compte? Merci, maman. Je t'aime. Mmh.
Ouais, c'est moi, bébé. Pas un fantôme. Mais... J'avais laissé mes peintures. Mais Greg, je comprends rien. Je saisis pas. C'est pas important, laisse courir. De toute façon, je pars. Et tu ne m'as jamais vu. Quoi? Comment ça, je ne t'ai jamais vu? Mais tu es là juste en face de moi. D'accord, j'ai tout compris. En fait, tu ne m'aidais pas. Tu te servais de moi. Qu'est-ce que j'envoyais dans ces foutues peintures, Greg? Cocaïne première qualité. Tu veux dire que j'envoyais de la drogue? Oui. Et tu étais sur le point de m'envoyer ce million quand Meur est venu jouer les justiciers. Non, chérie. Greg, tu me fais mal, arrête. Désolée, mon bébé, mais je vais devoir te faire encore plus mal. Tu connais à présent mon petit secret. Et je n'ai aucune confiance en ceux qui en savent trop. Tu vas suivre le même chemin que Didier. Non, la ferme. Valentina peut nous entendre et venir voir ce qui se passe dans le noir. Et je te laisse deviner ce que oncle Greg sera amené à faire à cette poupée aux grands yeux verts. Mon meilleur copain, hein? Va te faire foutre, Hammer! Et dire que c'était à la vie, à la mort! Hammer, est-ce que ça va? Papa! Papa! Oh mon Dieu! On est riches! Riches! Et tout est à nous! Regarde, Hammer! Oh putain, on est riches! Il y a des millions et des millions! Ah, tu réalises, mec! Nous, la grande vie! Come on!